Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang sur un nouveau let's play, le Runner Duck. Un let's play avec Curve Digital. Un let's play sur Bomber Crew. Oui, il se télécharge. Voilà, c'est télécharge des données. Donc j'ai décidé donc d'acheter ce jeu qui est à 30 balles. J'ai plus la date de sortie, qui est sortie l'année dernière. Ah non, il est peut-être sorti cette année de sa bêta. Ah, je ne sais plus, tiens. Il faudrait que je retrouve ces infos à la limite. Donc il est à 30 boules sur Steam, je ne l'ai pas vu ailleurs pour l'instant. Et j'avoue, je me suis pas trop fait chier, j'avais envie d'y jouer, donc je l'ai acheté. Oui, j'ai aussi pris Spin Tire, Mud Runner, le DLC. Calmez-vous, ça va venir. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais allons-y pour une campagne. Je connais pas du tout. Enfin, pas du tout. Et non, c'est pas ouf quoi. Maîtrise du jeu, j'ai vu un peu quoi. Nouvelle partie. Exercice d'entraînement de mitrailleur dans les airs et j'ai pas lu la suite. C'est l'heure de s'entraîner au tir sur cible avant de voler dans les viseurs de l'ennemi. Attaquer, détruisez les cibles, ça devrait être du gâteau. D'accord. Ça, c'est on a un mode ralenti. Zoomer avec la molette. D'accord. L'intérieur du bombardier. Waouh. L'extérieur du bombardier. Ok, on peut dézoomer de ouf. Zoom arrière. Vous pouvez chercher les dangers et cibles autour. Ouais, avec quelle touche, mec? Avec quelle touche? Ah, pour déplacer. Parce que la caméra est dézoomée. Oui, je veux bien. C'est quelle touche? Faut rester appuyé sur le clic molette là. Ah oui, c'est clic molette, c'est ça? Ah oui, d'accord. En effet. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, par contre, ça tourne vite. Ouais, c'est quoi? C'est le ballon qu'il faut viser? Ok, c'est le ballon qu'il faut viser. Il est dernier. Ok, formidable. Grand pilote du monde. Je suis intègre. Ok, donc vachement souris, ça joue vachement souris. Sélectionnez un de vos artilleurs hein, directement sur votre mitrailleur ou dans le panneau de poste. D'accord. Et si je double-clique, je zoome dessus, non? Envoyez votre mitrailleur sur la tourelle avant. Oui, bien sûr. Ça, c'est la tourelle avant, ça? D'accord, c'est concept. Ok. Ah, donc ça marche aussi avec la barre espace, ok. Envoyez votre mitrailleur sur la tourelle arrière, d'accord. Non, non, mais ça c'est cool ça. Mikai. You know, come over here. Yeah, right. You're funny guy, hein. Allez, vas-y, on casse des ballons, on est vénère. Mais je dis on est vénère. Ouais, donc marquage. Ah, ça, ça, ça. Ah, putain. Oh la sensibilité là. La sensibilité va me rendre ouf par contre. Hein. Ça va être. Ça va être officiel. Trajectoire confirmée. On retourne à la base. Nous recevons des rapports indiquant la présence de chasseurs ennemis dans la zone. Retournée à la base immédiatement. Ah. Chasseurs ennemis repérés. Sur radar. Derrière moi. Derrière moi. Derrière moi. J'ai vu ça derrière. Arrêtez, j'ai peur. Ah. Ok, nice. Ah mais il y en a encore là. Oh, oh, mais ça rase de ses manches, je sais pas. Là. Ah mais il y en a encore ici, non? Attatata, il y en a encore là. Attends, 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 faut faire plusieurs choses là, faut aller genre là. Voilà, tourne ici. Ok. Ouais, ça je l'ai vu. Spitfire au rapport. Attendez, ralentissons le temps. Ah ouais, parce que c'est vrai que j'ai cette fonction là. Toi t'es quoi? Je sais pas à quoi tu sers, mais je suis sûr que tu sers à rien. Toi aussi, je suis sûr que tu sers à rien. Prends cette batteuse là.
Non, tu veux pas? Ah, si, genre, j'ai un artilleur et c'est tout, et les autres, vous savez rien faire? C'est ça, c'est votre politique. Ah, verrouillé pour le tutoriel, ok. Avion de chasse ennemi détruit. Oh, on est des thugs, on est des thugs. Ah, Mickey, c'est le boss de la batteuse. Hein. C'est vraiment le thug du coup. On pèse. Ah, Mickey il pèse hein. les autres c'est pas ça quoi. On s'aligne. De quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, juste il faut cliquer sur le monsieur là. Sortir le train d'atterrissage, go. Moi je suis les flèches. Le monsieur m'a dit il y a une flèche, on clique sur la flèche, préparez-vous à atterrir. Ok, nice, bah, je suis prêt. Je suis ready. Ah oui, le ralenti ça ne marche qu'un temps en fait. Et avoir. Ok. Et on peut se faire une version speedrun. Retour à la base, ok. Nice. Oh. Petit demi-tour frein, hein. Oh, il fait des petits paliers et tout. C'est le retour. Ah, mais tout l'équipage immense, c'est incroyable, c'est fou. C'est fou! Alors tout va devenir plus compliqué hein. Là c'était la version pour les enfants avec un mitrailleur. Voilà, succès déverrouillé, bomber crew, bravo. Là je suis trop fort, entraînement, on a gagné 900 livres sterling puisque nous sommes des rose beef. Et donc j'ai l'aimant à flaque. ouais, c'est comme si on m'avait appelé pigeon d'argile. On pourrait éventuellement l'appeler pigeon d'argile pour le fun. Bonus de retour à la base, 600 boules. Donc on est bien payé si on ramène des gens. Ok. Tout le monde est revenu. C'est formidable. D'accord. Et ils sont contents. Et ils écoutent la radio. D'accord. And what else? On est à Raft Woodridge. On a fait donc une mission de vol. Cette chasseur ennemi détruit. 493 miles parcourus. Ok, 0 cible détruite, 0 bombardier perdu, 0 membre d'équipage sauvé. Hein? Bah, si, j'ai ramené tout le monde. Ah, il y a un truc que je dois pas comprendre. C'est pas grave, je suis un monsieur un peu bête. Alors. Ah, on nous dit, tiens, regardez. On nous dit tout ce qui nous manque. Il va me manquer un mécano, un artilleur et un bombardier, enfin un bomber, enfin. Un mec qui gère les bombes. Voilà. Donc là, on nous propose Monsieur Thompson, qui va vachement vite. Il a un point, voilà, en réparation. Ok. C'est un collectionneur d'art. Il vient de Malton. Il a 21 ans. Il reste frais. Valérie. Un point aussi. Ah. Elle a 2 en survie. C'est intéressant de noter ça. Et toi monsieur, tu as un point, tu es nul comme l'autre. Donc en fait la plus intéressante c'est Valérie qui a un point mais 2 de survie, c'est ça? Tu es nul, attends. Eh ben tu es recruté Valérie, félicitations. Welcome on board. Ensuite on va faire les artilleurs puisqu'on en a 3. Monsieur Thompson qui a une résistance au froid je suppose ou à la chaleur à 2. Il y a 2 de survie. Très intéressant monsieur, avec un en artilleur, ok. Dorothée, tu as 2 en résistance thermique, très bien. Et c'est tout, on te remercie de ta présence. Et le monsieur, ah lui il a 2 d'armure, 2 de résistance à la température, oh. Oliver Polishkuk, je sais pas d'où, tu viens de Sturport and Severn, de quelque part. Welcome on board. Et donc je vais pouvoir choisir. Alors vous êtes quoi? Vous pouvez avoir, votre compétence. C'est quoi ça? On peut avoir un nom. Parce que là je suis perturbé hein. Moi je vais appeler ça un artilleur aussi hein. Voilà, les autres on va dire que c'est des canonniers. Et lui on va dire que c'est un artilleur. Voilà, ça me va très bien.
Donc niveau 1, 100%, ok. Ah bon, on peut directement rouler comme ça. Ah bah, oh, 6 de... Oh mais elle est... Oh, cette femme est parfaite. Voulez-vous m'épouser? Mais cette femme est parfaite! Mais 3 de défense, 6 de résistance en température, 12 de survie terrestre je suppose, et 12 de survie maritime. Parfait! Elle est parfaite! Le personnage le plus pété du monde! Enfin visiblement, hein, dans ce qui m'est proposé. Hein. Ça c'est génial. Alors vous allez me détester comme d'habitude, hein. Le premier épisode sera déjà beaucoup trop long, hein. On a l'habitude. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a des panneaux rouges sur les jambes. Et un panneau rouge là. D'accord. C'est quoi l'histoire? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont pas de tenue, c'est ça? D'accord. Donc faut équiper Mega Joe. Ok. Vas-y, équiper pour par tous. Ah oui, du coup il m'en reste 3 équipes, ok. Bah on va équiper tout le monde pareil. Le petit pull d'hiver, mon gars. 245$, ça change quoi en fait? C'est juste un pull quoi. Et choisis si vous avez un petit pull bleu, petit pull rouge. Ouais, vous allez rester en bleu, ça me paraît bien. Tous équipés d'un petit pull d'hiver, voilà. Équipement tête, c'est fait. Alors c'était quoi ça? Hein? C'était quoi ça? Je comprends pas. Ok. 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 Et sinon? Comment on sort de là? Secours. Entraînement. Non, c'est pas ça. Au secours! Avion! Voilà. Donc, avion formidable. J'ai un avion. Voilà, donc c'est un bel avion avec visiblement des peintures. Hein. Ça coûte zéro. Hein. On peut repeindre l'avion. On peut le repeindre à l'écossaise. Le petit plaid! Incroyable. Ouh, l'aigle d'or. Alors là, c'est pour être sûr que ça pique bien les yeux. Ah, bien sûr, l'avion de chasse de la Gay Pride. L'avion chat. Camouflage brumeux. Oh, c'est pas mal. Pourquoi c'est. C'est interdit? Je sais pas. Pourquoi c'est pas. Ok. Camouflage forêt. Carapace de tortue. Commandement de transport aérien. Conception d'avion. Ouh. Check et bat. Bion disco. Perle. Ouf. Oh, chevalier noir, évidemment. On a lu. Il est brillant et chromé. C'est pas mal. Le bleu Superman. Le Afrique noir, ok, d'accord. Chasseur de sous-marin. Je trouve stylé. Je trouve qu'il a quand même un certain style. Épice pour citrouille, d'accord. Le gris cuirassé. Le gris tôle, quoi, hein. Tranquille, hein. Le jour J. Ah, pas mal. Petit papy. Onde framboise. Le Shackleton. 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 Le vert olive est bloqué. Voilà. On n'a pas le droit. Faut être un grand monsieur. Moi, le camouflage brumeux, je trouvais pas mal. Voilà. Le camouflage brumeux, ça me paraissait rigolo. Et sinon, en classique, il est comme. Ah ouais, bon, en classique, il est bien aussi. Non, non, il est bien en classique. Voilà. Allez. Histoire de marquer la différence. C'est pas trop tape à l'œil, ça va. On peut être Batman et tout là. Oh là là. Ah oui, alors ça c'est des trucs perso là. Ouais, tiens. Une pancarte blanche, c'est très. Je sais pourquoi on a juste mis une pancarte blanche. Parce que j'avais pas d'idée. Alors ouais, tigre, épice rouillée. Ouais, du bon blanc. Allez. J'avais toujours pas d'idée les mecs hein. Ouais. Ah, des bons carrés blancs. C'est parti. Adjugé pendu. Texte en blanc. Texte en noir. En blanc ça fait genre je suis un avion un peu civil. En noir ça fait un peu je suis un projectile militaire. Je trouve ça rigolo. On va se mettre en noir. Allez. Ah, excusez-moi, j'ai bien rigolé, ah, j'ai perdu beaucoup de temps, donc ça s'est installé. De toute façon, on n'a rien en fait, hein. C'est ça le. Ah, attendez, si, il y a des trucs, genre je peux me payer une tourelle ventrale. Non, ah bah déjà ça coûte des milliards de dollars, alors comme ça le problème est vite réglé. Genre il y a des trucs qu'on peut faire, genre là, un emplacement en avant. Ah non, mais tout coûte beaucoup trop cher en fait. Ah oui, non, mais les mecs viennent de me dire, vous êtes juste un clochard et puis. Point barre quoi.
D'accord, bon bah écoutez, ok, briefing alors, hein. On part ambition pour le seigneur. C'est parti. Bonjour monsieur. On peut aller là. Alors, mission tutoriel. Ah bah d'accord, entraînement au bombardement. Voilà, on va aller jouer à Pokémon, éclater-les tous. Deux amis en place de cible factice pour un entraînement au bombardement. Votre navigateur va tracer un trajet venant à la cible. Bien, Wing Commander Begins. Ah, donc c'est le commandant d'escadrille. Oui, décoller. Verrouiller le pilote, j'ai appris ça. Vous avez vu, je sais faire ça. C'est-à-dire que jamais, plus jamais il ne bougera de là, sauf si je le déverrouille. D'accord, très bien. Ah oui, ouais, faut qu'on joue au jeu. Non mais, ouais, jouons au jeu. Voilà, parfait. On rentre le train d'atterrissage, on est thug, on est des thugs. Thug life. Waouh, par contre, les zooms, j'aurais aimé avoir une distance intermédiaire qu'à 3 km. Attendez, il y a une cible là-bas d'abord, on la sélectionne. Après, d'après ce que j'ai compris, il faut que je prenne l'artilleur. On appellera Billy. Et avec Billy, qu'est-ce que je fais? Normalement, je suis censé pouvoir larguer des bombes là. Allô? Ah, attendez, il y a forcément un truc que j'ai merdé quelque part. Attendez. Billy, à tous les coups, il est pas au bon endroit. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fous là, Billy? C'est où les bombes? Il y a un truc que j'ai pas picheté là. Ouais, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Attendez, je vais trouver la solution. Ouais. Viens ici là. N'oubliez pas de continuer de marquer les repères de navigation. Vous pourriez dévier de la trajectoire. Ouais. Moi je veux bien, mais où est-ce qu'on largue les bombes? Attends. Ah c'est bon, j'ai trouvé. D'accord, il me l'avait pas calé au bon poste, c'est con. Oh là 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 là. Ouais, alors du coup, de mémoire d'homme, on entre. Non? Oui? Oui. Fais ça, j'ai vu des gens. J'ai vu des gens sur le radar. Ouais, barrons-nous. Oh? Oh? Est-ce que je peux. C'est quoi le. Je vais prendre une photo là. Pourquoi me dis tu peux prendre une photo mais en fait tu peux pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je me déteste. Ah attends c'est bon, en fait il y a deux batailles. Ah oui, il y a trois batailles. Ok, donc on va prendre trois belles photos. C'est parti. Ok. Prends une photo. Nice. Attends. On passe sur celui-là maintenant. Débloquer le succès photographie. Attendez, prends une photo. Je suis chaud. Clic-clac. Ah là 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 là. Chaque fois que je vais rester appuyé sur la barre espace, et en fait, non, pas du tout. Voilà, en fait, on est une team photographe. Voilà, on est photographe de guerre. Clic-clac. Voilà, hop. On se met comme ça. Quand même que je règle la sensibilité de la souris parce que là c'est un drama. C'est vraiment, je bouge presque pas sur mon truc. Attendez, je fais ça vite fait parce que en termes de contrôle. Non, c'est pas là. Sensibilité du bon marquage. Ouais. Je sais pas, comme ça par exemple, admettons. Hop. D'accord. Et comme ça. Ah ouais, c'est quand même plus agréable. Hein. Alors, je sais pas où on est, mais sachez qu'on y est.
Mais comment ça? J'ai tout pris en photo 15 fois. Fais du tour. Ah, ça avait peut-être pas eu le temps de se recharger. Hein. Ah, moi je m'en fiche, hein. Je prends ma photo, hein. Le reste. C'est rien, je m'en fiche. Hein. Moi je viens prendre des photos. Je suis reporter de gare, monsieur. Moi je prends des photos. On a fait 1000 XP à première vue. Je dis ça, ça se trouve que le compteur a pas bougé depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Je suis paré à prendre une photo. Je suis un thug, je suis un thug. Elle est parfaite. Ah ouais, 1500 points. Eh, 3500 points de tofu. Reporter de guerre ou pas? Hop, là, Donjons et Dragons, je serais déjà niveau 2. Je serais un ouf. Bon, bah, j'espère qu'au carburant, on est bien. Je sais même pas s'il y a une notion du carburant vu qu'on est en tuto. J'en sais rien. Mais on est bon. Croyez-moi qu'on est bon. Ah ah! Nous arrivons à proche de l'objectif. Je le sens. Je vois qu'on se rapproche. On se rapproche dangereusement. Ouvrir les portes. Tout sélectionné? Ah ouais, ils sont confiants, hein? Ok, je suis confiant aussi. C'est parti. Nous sommes prêts. Ah oui, d'accord, ça devient vert quand on peut tirer. Ok, donc il y a même un temps de chargement pour les bombes. Attention. Attention. Même si c'est que des bombes de 25 kg, là, il va quand même s'en prendre un petit paquet. Hein. 45 kg x 5, c'est pas mal. On va faire quelque chose comme 225. Fermons les portes et rentrons chez Tata. Oh, le joli cratère, joli, joli. Ah, photographier l'activité en vert, regardez, c'est fait. Au large des côtes. C'est déjà fait, patron. Nous, on l'a vu, monsieur, on est compétent. Monsieur, on est compétent, monsieur. Nous, ici. Moi, je rentre au QG. Voilà, ça va. Excellent travail, retourner à la base aérienne, on a un seul morceau avec les photos. Ah bah ouais, patron. Hein. Ah nous, on a mis du temps à aller tirer sur la botte de, foie que vous m'avez donné, mais on a fait le taf avant. Ah. Wow, wow, attends, c'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce qui a pété? Le mécano. Là, tout de suite, esclave. Vite. Oh, je le sens pas. Je le sens pas, sa connerie là. Je peux avoir une jauge de temps là? Ah ouais, on s'approche quand même vachement dangereusement. Hein. Bah on va au crash là, c'est ça tes conneries? En fait, ah oui, tant que t'auras pas fini de réparer, on se posera pas. Ok, nice. Ok, très bien. Répare. Tranquillou. Cette mission s'est bien passée, on va pas finir par un crash juste parce que le mécano il était en congé quoi. Ah d'accord, ouais, ok, se vide tranquillement, ok, c'est pas une obligation. Ok, retourne là-bas, bro. Retourne là-bas, mec. Nice, bravo, vous êtes des héros. Félicitations. Jean Cunningham, tu peux retourner à ton poste. Sois fier de toi. Tu es un grand mécanicien, bravo. Philippe. Je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Philly. Sors le train d'atterrissage, ma gueule. Hein. Parce que là, t'amorces une. Non, il est en bas. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Oh, c'est beau. Waouh. Incroyable. Formidable. Hein. Ah c'est beau, ah c'est beau. Et c'est la panne d'essence, c'est la tuile sèche complète. On avait pile de quoi atterrir.
Au millilitre près. Eh ben, formidable, hein. Paf, 900 balles. C'est tout? Oui. Yes, on a pris 3 photos. Ok, bah, on continue, hein. Tout ce qu'on avait, hein. Tout l'équipage est revenu, hein, bien sûr. Ah, ils ont monté de niveau. On a l'OMG plongé. Oh my god, plongé. Voilà, c'est rigolo. Et on a un boost. D'accord. Je suis d'accord. Ok, bah, quitter le compte rendu. Hein. Ah, j'ai pas regardé ce que ça faisait, mais je crois savoir. Ok, très bien. Déjà, est-ce qu'on peut renommer cet avion? Parce que je pense que c'est important. Est-ce que voilà, voilà. Parce que aimant un flag finalement, c'est quand même un peu stylé quoi. Moi je pense que si on part sur un petit pigeon d'argile, bien t'as vu. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc niveau recrutement, on peut recruter plus personne. Hein. On est full staff ou ça se passe comment? On est full staff. Okay. Équipement, bah on est bon aussi. Hein, je crois qu'on est. Ouais, vous êtes tous bons les gars, Rennes. J'ai. Entraînement, y'a rien à voir. Avion. Bah, avion, normalement, je peux peut-être me payer une connerie ou deux maintenant. Genre, le pigeon là. Bon, ça, j'ai pas le droit. Ça non plus. Attendez, attendez, si, si, non. Là, y'a plein de trucs. Là, y'a rien. Est-ce que ça, on peut? 1000 balles. Ah, c'est un emplacement surportant. Mais genre là on a des emplacements surportants. Ah oui d'accord, et on choisit ce qu'on met dedans. Oh, oh c'est thug, c'est thug. Vas-y hein, je m'en paye un. Ah bah du coup avec un parachute dedans, parfait. Et puis il me reste 1000 balles. Donc ouais je m'en claque un. Mais du soin, parfait. Niveau système là, ici on a rien. Extincteur, on n'a pas le droit, ok. Tourelle, ici on n'a pas de tourelle ventrale. On peut. Ah c'était 1007. Ah je me déteste. Bon, prochaine mission. On se dit prochaine mission, ok, briefing. Ok, cool. Ok, ok. On y croit à mort. Ah, ça y est, on est en mode campagne principale, attention. Recherche et sauvetage. On sera payé 1200 boules pour ça. Bonus de retour sain et sauf, on monte à 2000 boules et 250 points de recherche, d'accord. Pareil. Et pareil. Sauf que je viens de voir qu'il y avait des petites différences, genre. Avantage, bonus de réussite de mission, dégâts ennemis réduits pour les deux prochaines missions. C'est pas mal. Et ça, c'est nul. Bah écoute, on va prendre celui qui nous donne un petit bonus pour les prochaines missions. Donc, la batterie Tote va pleuvoir de l'artillerie sur la côte anglaise. Nos bombes actuelles ne pourront pas le perforer, mais nous pouvons le priver de munitions. On détruisait les planques de munitions utilisées par les canons. Très bien. Moi je pense qu'avant que cet épisode soit trop long, on se dit qu'on fait ça dans la prochaine, d'accord hein, campagne principale, dans la prochaine épisode. Je vous remercie, c'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming pour Bomber Crew, et je vous dis à la prochaine, ciao.